Hello YouTube, on est parti pour la suite de Little Nightmares. Bon voilà, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Alors on était, bah si en fait j'ai quelque chose à dire du coup, on était sorti de la prison. C'est ce qu'on avait fait du coup en un seul épisode. Je sais pas quelle est la durée de vie du jeu exactement. Et on avait passé cette grande porte. Et du coup bah on va voir où nous mènent ces escaliers à la Poudlard, qui font 8 mètres de long là. Alors je vais aller voir ce qu'il y a là-haut quand même, parce que s'il y a une porte c'est bien beau, mais ça me paraît être l'accès facile un peu. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose là-haut. Là je suis pas sûr de pouvoir faire quoi que ce soit avec. Non, en tout cas pas pour le moment, peut-être plus tard, mais là je sais pas. Là il y a un truc aussi. La porte ne s'ouvre pas. Ici, on peut passer. Look at that. Je peux l'ouvrir? Non, mais à deux... Ah bah voilà. Je peux la traîner par là-bas, histoire de tirer ce levier. Il y a une porte secrète ici. Enfin secrète. Elle est plus trop secrète, mais... Tout ce que je sais, c'est que je peux l'ouvrir. Sans souci. Hop. J'entends un bruit, j'ai pas forcément envie d'entendre. Ah, mais c'est pour que je grimpe là-haut, je pense. Je prends la valise. Bon, je vais la pousser parce qu'apparemment, il veut pas la tirer. Ok. Hop. Ok. Ensuite, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a que par là que je peux vraiment me diriger. Hop, on grimpe là. D'accord. Ah, mais c'est pour ça, non? Ouais, je crois que c'était pour ça. Ok. Ouais, bah, pour... Oh, une clé. Oh. Je crois que je me suis fait mal. Pourquoi le ballon il tourne? Peut-être que je vais avoir besoin de la clé. Ah bah oui. Il me donne pas une clé sans raison, hein. Il me donne pas une clé sans raison. Allez hop, on pousse. Ah, il y a peut-être un passage par là, non? Pas l'impression. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le singe? Que je le lance sur le bouton, là? Ah ouais. Mais ça a l'air safe. Enfin, j'ai failli avoir peur, là, pendant... Pendant un instant. Et je pense avoir une idée de ce qu'il faut que je fasse. Faut que j'embarque le singe. Mais du coup, je pense aussi avoir une idée de ce qui va se passer.
que, hop, je vais lancer le sang là-dessus, ça va me descendre, la porte à droite elle va s'ouvrir, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans l'ascenseur et du coup faut que je me cache. Sinon il m'aurait pas mis une botte ouverte. Est-ce que je vais avoir raison? Peut-être. J'en sais absolument rien. C'est une pure déduction. D'un côté j'aimerais avoir tort. De l'autre ce serait un peu con de pas profiter de l'occasion. Bah vous voyez, c'est même pas la porte de droite qui s'ouvre, c'est celle de gauche. Donc j'avais tort. C'est une bonne chose au final. Hein. J'ai encore faim. Champara et mange-le. Là si je passe, je meurs. On va éviter. Caclora, merde. On va arriver dans la cuisine, je suppose. D'ailleurs, on a eu le réfectoire qui arrivait quand on avait faim. Mais vu qu'on a passé le réfectoire, il doit rester que les cuisines. Oh, attendez, il y a un pot de sauvegarde. Voilà. On ne voudrait pas devoir trop recommencer de loin. J'ai pas fait dans le bon sens. On voudrait pas recommencer de trop loin. Allez, 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 allez. Oh. C'est suspect. Il s'est fait avoir le coin. Il s'est fait avoir. Oh, les mains sont terrifiantes. On dirait les mains de Salad Finger. C'est terrible. Cache de merde. Vous ne m'aurez jamais. Je peux passer? Ah, je peux passer. Point de sauvegarde. Moi, je peux pas passer de toute façon. Je peux t'ouvrir, mon frérot? J'ai l'impression que je peux au moins te rapprocher de la mort. Fait. Allez, hop. Oh, je peux me balancer, let's go. Je vais me yiter vers la porte. Wouh. De toute façon, j'avais pas le choix. Quelle intuition de gamer j'ai. Par contre, ouais, mais je fais quoi, moi? C'est bien beau, l'intuition de gamer, mais... Ah, je peux grimper. Ok. Il y a une bougie. Je peux l'allumer. Ah oui. Tout ce qui s'allume, en gros, c'est un point de sauvegarde. Je pensais pas que je pouvais allumer les bougies aussi. Enfin, j'en avais pas vu jusque là, je crois. Donc, de toute façon. Voilà, mais. Holy shit. No shit, il est aveugle. Il est pas aveugle. Oh, il est, mais ah, il est aveugle, mais il a un bon odorat peut-être. En vrai, je le capte pas, hein. Mais j'ai pas qu'à là, hein. Ouais, je peux, mais ça n'avance à rien.
What? Oh là, mais attendez. Ah, mais il a des petites jambes en plus. Je pensais y ramper. Mais en fait, non, il marche. Enfin, il marche. Je sais pas s'il marche ou pas, mais... Tu penses? Non! Je suis pas 100% certain de que. En tout cas, là, le move vers la cage avait l'air d'être le bon. Ah, faut aller là-bas, ok. En fait, ouais, il est nourri de dingue. Donc, tu peux avancer au lieu de te craquer le cou juste là, s'il te plaît. Vite, 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 vite! Saute! Oh! Ah. Mon Dieu. C'était terrifiant. Ah! Merci pour c'est quoi? Merci pour la chaussure. Mon Dieu. On a réussi à passer. C'était pas forcément le... En fait, moi je pensais qu'il fallait passer à gauche là, genre à gauche de la table. Mais apparemment non. Oh mon Dieu. Les chaussures. Doucement, doucement. Peut-être pas trop doucement non plus. Bah du coup c'est pas à mon avis c'est un truc qui sent l'odeur propre dans les chaussures. Du coup j'ai intérêt à tracer. Vite vite vite. Oh c'est cogné. Vite 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 vite. Mais non, j'étais grimpé. C'est abusé. C'est une dinguerie. J'avais réussi à grimper et tout.
Allez! Mon dieu. Faut que j'aille par où? Mon dieu, faut que j'aille là-haut. On s'est passé, mais. C'était juste, hein, quand même. C'était très très juste. Où suis-je? J'entends un bruit qui me plaît point. Ah! Cours! Cours! Galope! À la vie, à la mort! À la vie, tout court! Terriblement moche. Ils m'ont sauvé la vie. Merci les petits gars. Let's go. Ils m'ont sauvé la vie. Oh là là, mais fais pas du bruit comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Let's go. Ok, rien par là. Je pense que je l'embarque le singe. Je pense que si tu pouvais arrêter de faire du bruit, s'il te plaît. Ok. Il a rien vu. Il a rien qu'à là. Ok. C'est bien gentil, mais moi je fais quoi? Eh hey, grand Fada, où que tu es? Où est-ce que je peux trouver une sortie? C'est trop rien. Est-ce que si je lance le singe par là-bas, ça va faire quelque chose? Je lance là. Non, il a l'air complètement muet au. Et si. Okay.
Est-ce que je peux remonter? Non. Ah, je suis peut-être emmerdé. Là, j'avoue que j'ai un petit, je suis un peu bloqué. Il y a un endroit où il devrait y avoir un passage. Arrête là. Je peux pas sauter en fait, je peux sauter nulle part. C'est sûrement un truc que j'ai pas qu'à là. Là non. Là non plus. Et derrière, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Rien de spécial, j'ai l'impression. Voyons donc. Ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Ah mais je suis bête. Mais attendez, il est sous, c'est vrai. Il est sourd, il est sourd. Vite, vite, vite! Oh, nique sa mère. Ok, j'ai capté par là où il faut passer déjà, c'est pas mal. Alors ma question c'est, est-ce que ça a sauvegardé le truc que j'avais trouvé? On va aller voir ça vite fait. Ouais, ça a sauvegardé, ça l'a remis en place, mais il est toujours cassé. Donc c'est une bonne chose. Maintenant il va falloir trouver un moyen de passer sans se faire choper. C'est good, c'est good. Oh, comment c'est good? Comment c'est good? Comment c'est good? Aïe aïe aïe, je suis trop fort. Ça aurait été une petite galère, mais sans plus. Rien de bien méchant. Pourquoi j'entends un bruit là? Il va quand même pas essayer de passer son braquet. Par. Oh. C'est quoi ça? C'est une horloge. On a réussi à passer en secret. Oh. Oh.
Attends! Attends! Ah putain! Je suis dégoûté, c'était passé. Sa main m'a touché quand il s'est retourné, du coup ça m'a tué. Ah, j'ai le seum. Oui, j'attends que ça sonne, je pense. Vite, 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 si, ouvre-toi, ouvre-toi. Oui, shit. Ok. Je sais pas pourquoi il a pas voulu rentrer, mais... Enfin, j'ai bien ma petite idée, mais écoute. C'est fine. Hop, grimpe, grimpe, grimpe. Ouais, je sais bien, j'ai grimpé, mais je fais quoi moi maintenant? Là, il y a le piano. Ok, allume mon briquet. J'ai l'impression qu'il y a grand chose. Si j'ai un peu là, peut-être un truc en l'air, je passe. J'ai pas l'impression. Oh. Je vais me casser les jambes à force de sauter comme ça. Peut-être là. Celui-là qui a l'air tout seul, bien caché dans un coin. Un truc à faire avec. Celui-là peut-être. En fait, le problème, c'est que pour moi, le seul truc que je vois, c'est cette porte-là. Est-ce que je peux bouger ce livre? Ouais, cette porte-là, j'ai pas l'impression de pouvoir interagir avec. Est-ce que je peux grimper là? Oh, oui. Bah ouais, du coup, je peux. Let's go. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est que... On voit la suite pour le prochain épisode de Little Nightmares. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra à quoi sert ce piano seulement dans le prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé. Moi, ça m'a fait plaisir de fou. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. On se capte très bientôt pour la prochaine vidéo. Sur ce, ciao YouTube.